انت صبحت عليه قبيله جعفور فرحانين اللي معانا السيد باتريك فلو المدير نتاع الانستيتو فرونسي في تونس المعهد الفرنسي في تونس واللي كل مره يبدا فما حدث يتنظم في فرنسا ولا تنظموا الانستيتو فرونسي في كامل انحاء العالم موجودين في عده بلدان في العالم زاد يحرصوا ان يكون موجود في تونس الحدث هذه المره هذه اسمه لا نوي دي زيدي او ليله الافكار ليله الافكار تنظم في باريس اول مره عام 2016 ناس تتلم من افاق مختلفه يحكي ويعطيوا افكار اللي تنجم تنفع البلاد واللي تنجم تنفع زاده طريقه العيش مع بعضنا كيفاش نجموا الناس الكل باختلافاتنا الكل نعيشوا مع بعضنا ونسمعوا بعضنا ونسمعوا اقتراحات بعضنا ليله كامله من 6 نتاع العشيه حتى نص الليل ناس يجيوا مختلفين دي زارتيست فنانين رياضيين مجتمع مدني الناس كلها تحكي والناس كلها تفكر مع بعضها مسيو فلو بونجور اون اي فريمون رافي دو فوز افوار parmi nous ce matin je rappelle le directeur de l'institut français de tunis bonjour à vous bonjour alors on va parler de cette nuit des idées la nuit des idées alors on a intitulé parce qu'on pense que en tunisie on pense beaucoup la liberté d'expression est là et nous voulions participer grâce à cette nuit des idées qui a lieu partout dans le monde c'est quelque chose qui a été inventé l'année dernière et première édition en Tunisie je pense que la Tunisie le mérite et on veut faire une grosse manifestation festive, participative avec énormément de gens, des gens sérieux des gens moins sérieux pour pouvoir penser, réfléchir, s'amuser ensemble à l'Institut français le 26 janvier de 18h à 24h il y en aura pour tous les goûts pour tous les plaisirs et pour toutes les thématiques. 26 janvier de 18h à 24h comme vous dites, donc jusqu'à minuit. L'idée, quand on parle en général d'une conférence, on a toujours cette idée de beaucoup de sérieux, beaucoup d'ennui. Cette conférence, pourquoi elle sera différente? Parce que justement, on ne veut pas faire, et on sait le faire, des colloques universitaires, des séminaires, c'est important aussi d'avoir ça. Mais on pense que c'est aussi important de vulgariser et d'avoir une approche grand public de la pensée, des idées, parce que on est tous avec nos idées. La démocratie, c'est penser, c'est participer, c'est échanger. Et je pense que c'est ce que nous allons essayer de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons associé à cette fête des gens très sérieux, mais ils auront un petit temps de parole pour dire rapidement ce que parfois ils peuvent dire en une heure et demie. Donc il faudra qu'ils sachent faire preuve d'intelligence et de créativité. Et on aura aussi des auteurs très, très connus, Kamel Daoud par exemple, qui nous fera l'honneur de venir. Mais aussi des gens, par exemple, un philosophe assez décoiffant qui s'appelle Alain Guillard et qui se dit lui-même décravateur de concepts. Donc on verra ce que ça donnera. Je pense que ce sera festif et que les gens seront heureux de venir. Ils pourront venir passer une demi-heure, ils pourront rester toute la soirée. Il y aura à manger et à boire s'ils souhaitent rester longtemps. Donc ils pourront passer une bonne soirée. C'est ça l'idée, mais passer une bonne soirée intelligente. Très bien. Ma dernière question, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, ou non? C'est ouvert absolument à tout le monde. Cher Abed. Gratuit, ouvert. Et voilà, le 26 janvier, tout le monde est attendu et on veut que ce soit la plus belle nuit des idées de la saison 2017 sur le monde entier parce que la Tunisie le mérite. Très belle initiative, l'instar de la fête de la musique qui est un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est la fête des idées pour le vivre ensemble. Merci beaucoup, monsieur Patrick Flo, d'être parmi nous. Je rappelle, le directeur de l'Institut français à Tunis. Merci d'avoir fait le déplacement. Juste un petit mot, je vous dis un mot, les clés qui ont dit, l'attention à l'afkar. معناتها شوف قديش يقدروا الفكره قديش يقدروا قديش يحترموا الفكره وقديش يحترموا الافكار لانه لهنا شكري وسعدي والكنا معناتها عايشين في نفس الوضعيه نحن ساعات تلقى افكارك اللي هي تتباع راهو البرا رد بالك تتباع تلقى افكارك في برنامجك انت في برامج اخرى فهمني ولا صحيح ولا انا غلط فهمني معناتها راهو الناس اللي فكروا قلائل فهمني دونك انا بصراحه تظاهره كيما هذه مهمه على الاخر مهمه على الاخر دونك كيما سمعتوا السيد باتريك قال لكم نهار 26 جان في الانستيتو فرونسي معناتها في شارع باريس تعرفوا الناس الكل تنجموا تمشيوا من 6 تاع العشيه حتى نص الليل فما برشا ناس جايين من افاق مختلفه ادباء
كتاب رياضيين فنانين الكلهم جايين باش يحكيو ويعطيو الافكار نتاعهم كيفاش نجمو نعيشو مع بعضنا خير ظاهره وتظاهره محلاها على الاخر كيما قلت ووضحت لو سي باتريك كيما لافيت دو لا ميوزيك ولات حفله عالميه وين موجوده خاطر بدات زاده من ليزانستيتو فرونسي قالك جعفر قالك جعفر تونس والسنغال شنو السكور Alors, il y a un match super important pour la CAN. Bien sûr, si vous suivez un petit peu le football, je ne sais pas. Ah, je suis allé voir le premier match de la Tunisie contre le Ghana à Monastir. Et nous avons gagné. Et nous avons gagné, très bien. Donc là, Jaffel demande des pronostics pour le match Tunis-Sénégal. Tunisie-Sénégal le dimanche. Oui. Alors, les pronostics pour le score. Si je réponds en diplomate, je pourrais vous dire que le meilleur gagne. Mais comme je suis diplomate français en Tunisie, vous saurez pour qui je pense va gagner. Je sais pas, je demande une réponse claire. La Tunisie. Bah, c'est très bien. Rien que ça, d'accord. Une réponse claire. Je t'aime, frère. Très bien. Frère, merci. Merci. Ça y est, d'être ça, tu vois, le virage. Le virage, merde. Monsieur Flo, maintenant, on va vibrer. Ah bah le refrain est super simple maintenant. Tu peux dire Choukri Amel Ha la 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 la. Choukri, c'est lui. C'est un grand gardien, c'est lui. C'est lui, un grand gardien. Oui. Bravo. Choukri Amel Ha la la la. Choukri Amel Ha la la la.